Deuxième qualité. Ya pili. Nimewapa ujumbe. Je vous ai donné les messages. Nimewapa na maverse. Et je vous ai donné aussi les versets bibliques. Oh, ni bile bya assemblée. Haiko bya assemblée. Nimekupa maverse. C'est pour les gens de l'assemblée. Ce n'est pas pour les gens de l'assemblée. Oh, haiko bya message. Nimekupa citation. Oh, ce n'est pas du message. Je vous ai donné la citation. Ah, oui, oui. Deuxième qualité. Tabia ya pili. Celui qui est conscient. Mwenye. Des imperfections humaines. Nakuwa na mazaifu ya kibinadamu. Mtu anayeyua ya kwamba mtu anaweza kuwa na mazaifu sawa mwanadamu. Mais lakini qui est prêt à s'améliorer. Aliye tayari kubadilisha, kukosoa. Un homme, mutu, une femme, mume, mke, qui est conscient ou consciente, ambaye anajua mwenyewe, qu'il a des failles, ya kuwa ana mazaifu, qu'il a des choses qu'il ne peut pas faire bien par rapport à son conjoint, anajua kwamba kuna mambo mazuri asiyotendea mwenziwe, mais lakini, qui reste disposé, anakuwa tayari, à changer, kubadilisha, kugeuka. Qui est disposé ambaye yu tayari à faire mieux, kutenda vizuri, qui peut écouter, anaweza sikia, et qui peut découvrir là où on le conseille, na anaweza tambua kwenye ameshauriwa, et qui est flexible à ses décisions, na iko mwepesi kusikia mashauri, uh-huh, et qui est ouvert au conseil, na awe tayari kupokea shauri, et qui est prêt de dire, na awe tayari kusema, dites-moi là où je ne fais pas mieux pour que j'améliore. Ni eleze ni wapi sitendi vizuri kwako ili nibadilishe. Il y a une phrase que la fille a dite encore le dimanche il y a 3 semaines, c'est pas 2 semaines. Kuna msemo moja binti moja alisema kunaisha karibuni Jumatatu. Nous étions tous ici, tous on a ri. Sote tulikuwa hapa tukacheka. Mais moi je n'ai pas ri pour rire. Bali mimi sikucheka tu kwa kucheka. J'ai détecté dedans quelque chose de plus. Mimi nilitambua kitu kingine cha zaidi. La fille a dit à son fiancé. Binti alimwambia mchumba wake hivi. Je t'aimerai comme tu voudras que je t'aime. Nitakupenda kiasi ungependa ungetaka nikupende. Nitakupenda vile utapenda nikupende. Ndio ndio. Usinipende vile unapenda kunipenda. Nipende selon modele yenye mie ninapenda. Tu dois m'aimer de la façon dont moi je veux que tu m'aimes. Usiniimpose mapenzi ya modele yenye mie sipendi. Tu dois pas m'imposer l'amour du modèle que je ne veux pas. Niulize. Pose-moi la question. Unapenda nifanye nini pour que unifurahie? Tu veux que je fasse quoi pour que je te sois utile? Il faut pas m'imposer comme si je suis malade ou qu'on en tient mon sérum ou y a ma peine. Faut pas m'imposer comme si je suis un malade en me mettant le sérum de l'amour. Ah non non. Mugonjwa ndiye anafikaka kwa hospitali, hana cha kukomande, hana cha kuuliza, banganga banaenda, kama atakamata katetere, kama atakamata serumu, banamwambia leta mkono, banatomola, banachomeka sema, bakia pale tutakusurveiller mpaka 12h. Un malade quand il est à l'hôpital, il n'a rien à dire. Ce sont les médecins qui vont d'ici là, il prend les choses, il injecte et il lui dit on va te surveiller jusqu'au soir. Mapenzi haiko serumu ya kwa munganga. L'amour ce n'est pas le sérum du médecin. Ni maongezi ya kuongea. Ce sont les dialogues. Nini unaona sikufurahishe? Qu'est-ce que tu trouves dont je ne fais pas mieux? Nini unaona sikupendeza kiamo? Qu'est-ce que tu trouves dont je ne fais pas mieux pour toi? Tabia gani yenye unaona priest niko naifanya haunifurahie? Quel est le caractère dont tu vois que je développe mais ça ne te fait pas du bien? Nibadilishe wapi? Où est-ce que je peux améliorer? Amen, amen. Hey. C'est vrai. Hey. Pana, s'il vous plaît. Na uwe tayari kukosoa. Et tu dois être prêt à améliorer. Maana kila mtu hapa ana udhaifu. Parce que tout le monde ici a une faiblesse. Ipso facto. Tuko wanadamu. Nous sommes des humains. Tunapigana tufikie ukamilifu na tutaifikia. Nous combattons pour arriver à la perfection et nous y arriverons. Lakini na mubyenye bitatukamilisha ni madhaifu yetu tutakayoambiwa na wenzetu. Ce qui va nous aider à être parfait, ce sont les faiblesses dont les autres nous diront c'est vous. Musiwazi ya kwamba mtakamilishwa tu na prédication za mukanisa. Ne pensez pas que vous serez seulement perfectionné par les prédications. Kuna ukamilifu mutapata kwa kukosolewa na wenzi wenu wa maisha. Il y a la perfection que vous trouverez à travers les conseils de vos conjoints. Banakuwa banakutapa sema uko mwana wa bien. On commence à te vanter que tu es un bon mari. Na kanisa nesikia kama uko wa bien. Et l'église dit que tu es un bon mari. Mais kuna mwenye alikontribue kukutumika ako. Et pourtant il y a quelqu'un qui a contribué pour travailler sur toi. Mwenye haiko même pasteur. Donc il n'est même pas pasteur. Wenzi wako wa maisha. Alléluia. Ton conjoint de la vie. Amen. Amen.
Bwana nakwambia. Le mari te dit. Wakati mimi ninakuya. Quand moi j'arrive. Simama. Mets-toi debout. Shughulikie. Occupe-toi de moi. Bwana kuongea na watu pendant 5 minutes na mimi nishafika mnyumba. Ne continue pas à parler avec les gens pendant que je suis dans la maison. Unisamehe chéri. Pardonne-moi chérie. Wakati mimi nakwambia nataka nawa nikule. Quand je vais te dire que je vais d'abord me laver avant de manger. Usinipe chakula na si anawa. Ne me donne pas à manger avant que je me lave. Nifanyizie vyenye mimi napenda. Fini d'abord ce dont je veux. Biblia nakwambia. Ce dont je t'ai dit. Usikwe naenda msoko uniuzie. Il faut pas aller au marché et m'acheter. Uwe unanipa franga. Donne-moi l'argent. Mimi nijiuzie nguo yenye mimi napenda. Je vais acheter l'habit dont je veux. Ukoze unaniletea kama mimi nakutana siko demode na wewe hauyue. Wewe bwana hamuyue manguo. Parce que les habits que tu m'amènes, je les trouve démodés. Vous les hommes, souvent vous ne savez pas choisir les habits des femmes. Nipe franga nijinunulie yenye na mimi nitaangalia kama hayavuka masiko. Donne-moi l'argent, je vais acheter l'habit dont je vais voir que la date d'expiration n'est pas encore arrivée. Bibia nakwambia. La femme te dit. Chérie. Mon chéri. Wakati mimi nakwambia tuongee 5 fois. Des fois je te dis qu'on puisse dialoguer pendant 5 fois. Sina muda. Tu me dis chaque fois que tu n'as pas le temps pour moi. Na mimi nasikia kama ninavunjika moyo. Moi aussi je me sens être blessé. Joma na sasa unaniuliza. C'est pourquoi quand tu me poses des questions. Tuongee. Parlons. Mimi nakwambia que c'est bien kuongea habiko tena. Moi je te dis que les choses à parler ne sont plus là. Tu me ni reporter siku za mingi. Parce que plusieurs fois tu m'as reporté. Je finirai par trouver ma solution. Moi, j'ai fini aussi par chercher d'autres solutions. Ah. Kumba kinambia tuongee. C'est-à-dire que s'il me dit qu'on dialogue. Ndakuwa na muprogramme mbele ya wakati. Je dois le programmer avant le temps. Amen. Hauko na badilika basi. Est-ce que tu n'es pas en train d'échanger alors? Oui, oui. Alléluia. Amen. Nayo ni kiburi. Si c'est l'orgueil. Muko kiburi. Là, il y a l'orgueil. Proverbe 26, 12 et 10 ceci. Mezali makumina sita, kumina mili nasema. Si tu vois un homme qui se croit sage. Ukiona mume anayejiwazia kuwa na hekima. Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Hakuna kwa kutumaini kwake. Ni vema kutumainia mpumbavu kuliko yeye. Ukiona mtu. Si tu trouves un homme. Mwenye anajiwazia kama hana vya kukosolewa. Mm. Ki kwake ina rien na maendeleo. Anajiwazia kama anaenea. Il croit à lui qu'il est haiko parfait. Tayari kusaidiwa na shauri ya vyenye tabadilika ako. Il n'est pas prêt à recevoir le conseil de sa femme où il peut changer. Ome kutumainia mpumbafu kuliko type wawili. Mais vous espérez à un insensé que d'un monsieur comme ça. Oui, oui. C'est lui qui se croit sage. Anajiwazia kuwa na hekima. Unakuwa mbunyumba, wewe unawaza kanjowe wa bien, bibi njowe wa mubaya, na wewe tu njowe wa bien. L'homme pense que c'est celui qui est seulement bien, c'est la femme qui est mauvaise, c'est lui qui est bien. Na mukiba sambisha. Et quand vous essayez de leur parler, anaanza expliquer. Il commence à expliquer. Unaweza iko na raison. Tu peux penser qu'il a raison. Sari ni atanza poromosha naye makosa ya bwana. Mais quand la femme va commencer à faire descendre les fautes de son mari. Munauliza bwana. Vous posez la question. Frère, ni kweli? Monsieur, est-ce que c'est vrai? C'est mais bon, ni kweli, frère. Il te dit bon, c'est vrai, frère. Tu as ce caractère dans ce foyer. C'est pour faire mine, je vois. Bon frère, c'est moi le mari. La Bible dit que tu es plus mauvais qu'un insensé. Oui, oui. Confiance, au lieu de te donner confiance, qu'on te la prive et qu'on donne ça à un insensé. Parce qu'un insensé dira lui, je ne sais pas. Ah oui, oui. Mujinga naitikaka kama hayue. Un insensé accepte qu'il ne connaît pas. Naiko tayari kusaidiwa. Et il est prêt d'être aidé. Mwenye kujiwazia kama ni mzuri na haiko mzuri. Mais celui qui se croit être bon, il n'est pas bon. Baya kuliko mujinga. Il est plus mauvais qu'un insensé. Oui, oui. Kwako tu ni bibi tu njo mubaya. Donc chez toi c'est la femme seulement qui est mauvaise. Wewe tu njo uliolewaka mubaya bwana tu njo mubaya. Est-ce que wewe hakwake na bituruturu? Donc c'est toi la femme qui comprend seulement mal l'homme, c'est l'homme qui est mauvais. Est-ce que toi tu n'as pas de choses? Bwana tu njo mubaya. Donc c'est l'homme seulement qui est mauvais. Bwana tu njo mubaya. C'est le mari seulement qui est mauvais. Aïe, comment tu vois notre homme mauvais? Comment seulement c'est l'homme qui est mauvais? Tu te crois sage, tu es mauvais qu'un insensé. On a dit wazi akwa na hekima ukombaya kulikomjinga. Omwe mujinga na weza sema. Omwe insensé peut dire. Mais si qu'on a ce qu'il est lugha yeye. Moi je n'entends pas votre langue. Mubiseme mu Kiswahili. Parlez sans Swahili. Ah oui oui. Mais ukijistia sema unayua Kiingereza. Mais si tu te mets comme si tu connaissais l'anglais. Kisha wanakuambia tafsiri. Et puis on te demande de
Banasema 5 minutes. On parle pendant 5 minutes. Anasema nini? Et tu poses la question. Sujajita kama nakiua. Mais tu t'es dit que tu connais l'anglais, non? Unaanza kuangalia. On commence à te regarder. Kuyuga lugha haiko njoo kuyua kuitafsiri. Hapana. Connaître la langue ne signifie pas l'interpréter. Non, non. Mujinga tabambia, mie muniambia mukiswahili. Ene sanse vous dira, moi, parlez-moi en swahili. Kisha wewe unajifanya moyo useme, museme mukingereza niko nabisikia byote. Et toi tu dois te faire connaisseur, tu dis non, parlez en anglais, je suis. Banasema. Umbona sikasema. Parle. Unaanza fanya useme, yes. Et tu commences à dire yes. Kisha wanakuambia, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il a dit en 5 mots? Et ça ça waweza tuelezea yale mungereza ametoka sema dakika 5. Ni kiroho hapa. Ukijiwazia kuwa mwenye busara. Si tu crois être sage. Kisha usivumbule kama kuko kinye na wewe Biblia naweza kuwa nakusaidia amo. Et que tu ne découvres pas qu'il y a quelque part où la femme aussi peut t'aider. Ukijiwazia kama wewe njo mama mwenye unateseka, uko mzuri mais bwana njo wa mubaya. Et que tu penses que c'est toi la maman qui souffre. Wala kuwa na yesha ke wewe njo le waka bibi wa mubaya, mais bengine balipata ba bien. Commence à monter comme si c'est toi qui t'es marié à une mauvaise femme, les autres ont trouvé les bonnes femmes. Omemo nyanasema mimi kwa mubaya bibi ni wa mzuri anaweza kunisaidia. Amen. Mevo celui qui peut dire que moi je suis mauvais mais ma femme est bonne, elle peut m'aider. Oui. Na mna yoka bale batoto aye. Et comment vous découvrez ces enfants? Mnajua. Vous savez. Kuna batu mwa maisha habaitika kekosa. Il y a les gens dans la vie ils n'acceptent pas les torts. Fulani. Tel. Mbona mliacha kopo nje? Pourquoi vous avez laissé les gobelins? Ani batoto. Ce sont les enfants. Mais et pourtant lui aussi l'a vu. Hatasema unisamehe. Il ne va pas dire pardonne-moi. Na mimi niliona nikasahau kunyangua. Et moi aussi je l'ai vu, j'ai oublié. Bali acha ndio mais wewe haukuiona. Oui, on l'a laissé. Est-ce que toi tu n'as pas vu ce gobelet? Amen. Amen. Mwenu pale kwenu. Lâchez-vous. Ça y a maongezi. Pendant les dialogues. Nana na kuaka tayari kuitika kosa na kuamwe mwenzake. Je comprends que sikutembea vizuri, pardon. Qui est prêt d'écouter les conseils et reconnaître sa faute et dire que je n'ai pas bien agi. Kuko recherche nyeba tumwa balifanya la fois passée. Il y a une recherche que les gens ont effectuée la fois passée. Et ils ont dit Wanaume. Les hommes très sérieux, qui sont très sérieux, ils sont moins romantiques. Très sérieux. Les hommes qui sont très sérieux, très sérieux, très sérieux, ils sont moins romantiques. Les hommes là qui sont très romantiques, qui font rire leurs femmes. Ils ont aussi la faiblesse de trop parler. Atakuchekesha kunyumba mais ni musemai na byakwa kote natakuwa na bibeba tu inje. Il va te faire parler à la maison et te faire rire à la maison mais banaume benye balisoma sana. Les hommes qui ont beaucoup étudié. Munabapendaka. Vous les aimez mais kumu convaincre kama iko na kosa vinakula kama muta. Mais les convaincre qu'il est fautif, ça prend du temps. Banaume basomi basana. Les hommes éduqués, ils se croient toujours qu'il a raison. Wanajiaminia sana kwamba mwanaume mwenye kwa mshomaji. Un homme qui est en chômage. Anatafuta kama mihali. Il cherche toujours des problèmes. Anawazaka kama uko na mzarau. Il croit toujours que tu es en train de le négliger. Na nakuwa na kujibia seme. Il commence à te répondre. Uko na nionea juste yapata kazi na makuu. Tu es en train de me négliger. Même ça ukufanya kitu unabilumilia. Même quand tu n'as rien fait, tu deviens victime. Akipata franga. Quand il trouve l'argent, anaweza kosa adabu. Il devient irrespectueux. Bwana yu aziko. Parce qu'il sait que l'argent est là. Anaweza kupiga kipasi kama iko juu ya imani. Peut même te taper si c'était pas contre la foi. Anakwambia bako na nirampe yako huku nje mama fulani. Pana cheza na mie. Ma femme, il faut pas jouer avec moi. Il y a les femmes qui sont en train de ramper. Nombre ya banaume benye bako banamuke benye bako na nirampe ko c'est trop. Wewe uko bure, wewe uko chai ya rangi wewe. Toi tu n'es rien, tu es juste le thé comme ça. Benye hava kusoma sana. Les hommes qui ne sont pas instruits. Akipata bibi mwenye ko na kanivo kayulu kidogo. Quand il trouve une femme qui a un petit niveau d'éducation. Hapendake ba mukosole. Il n'aime pas qu'on les corrige. Complexe d'infériorité inamunasa.
C'est le complexe d'infériorité qui le saisit. Je lui ai dit d'apporter des épreuves. Il n'acceptera pas qu'on le corrige. Chérie, on ne dit pas cellule, on dit serrure. Il va te dire Seigneur. Les hommes très silencieux. C'est donc qui ne parle pas. Tu ne peux pas découvrir quand est-ce qu'il est content et quand est-ce qu'il est furieux. Il peut venir et t'as furieux et tu ne le sauras pas. Mais c'est là qui parle. Vous vous querellez au même moment. Et tu vois comment il change. Et quand il se calme, les gens là, les cendres calmes là. Les gens qui sont très sérieux dans la vie. Quelqu'un peut être n'avoir pas étudié, mais technicien il est technicien dans ce qu'il fait. Ils se croient qu'ils sont très importants dans la vie. Les gens qui travaillent trop, ils n'ont pas assez de temps pour leurs femmes. Ah bon? Ils sont très busy. Donc trouver le temps pour s'occuper de la femme. Il peut se réveiller même au lit et tu l'entends qu'il est déjà à son ordinateur. Chérie, il te dit j'ai beaucoup à faire. Tout ça ce sont des imperfections de l'homme. Trouver quelqu'un qui n'a pas une petite faiblesse. Tu ne peux pas. Maintenant il faudrait que la parole le corrige. Et il faudra aussi que toi son conjoint de la vie maintenant s'il se croit qu'il n'a rien à corriger, est-ce qu'il ne restera pas avec ceci? Ah oui, oui, sans doute. Alléluia. Amen. Acceptez, vous êtes des humains, vous pouvez être aidé. Affirmatif. Et il y a aussi le temps où je m'assois avec ma femme. Elle est ici. Je ne mens pas. Si c'est mes chéris, quoi, qui? Il me dit, chérie, si ça, non. Mais qu'il est d'accord. Mais ça, je suis d'accord. C'est parce que j'ai eu le temps de lui poser la question. Hakika. On a babibi sawa kikoropo 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 kimuzi chenye. Les femmes comme des torchons, des paillassons. Des paillassons, les personnes qui ne peuvent pas t'aider dans la vie. Quoi les? Ndugu Moses. Faites attention. Angalisho. Tu as des failles. Uko na mazaifu. Comme humain. Sawa mwanadamu. Cette fille va t'aider. Binti huyu atakusaidia. La fille. Binti. Tu as un monsieur. Il a une expérience que tu n'as pas. Il va t'aider. Restez ouvert qu'on puisse vous aider. Mwe wazi tayari mkusaidiwa. Question. Ulizo. Unaitikaka kosolewa? Est-ce que tu acceptes d'être corrigé? Trois. Ya tatu. Je vais aller rapidement. Twende haraka. Seigneur Jésus. Napenda Yesu.